Il est temps de retrouver Pascal Praud en direct de CNews, où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour. Bonjour Pascal. Quels sont vos invités du jour? Eh bien, je serai accompagné de Charlotte Dornelas et de l'inénarrable Michel Sardou. Et nous parlerons de la fête des pères qui a eu lieu hier. Sous les paquets cadeaux, des heureux papas ont découvert de l'aftershave, des outils de bricolage et des maillots de foot. Mais qu'ont reçu les papas déconstruits? Du vernis à ongles, des chaussures à talons, des bigoudis, une culotte fendue. Qu'en pensez-vous, mon cher Michel? Les hommes déconstruits, ça me fait chier. Faudrait appeler ça la fête des paires de couilles, ça réglera le problème. Oui, alors, je suis d'accord, en fait, parce qu'en fait, un couple, c'est un papa et une maman, pas une tata et une maman, en fait. Bien, nous parlerons également de la fête de la musique qui aura lieu donc mercredi. Comment préparez-vous ce grand événement festif? Avez-vous acheté des boules-caisses, des tomates pourries? Fête de la musique, ça me fait chier. Ah bah, je suis d'accord, en fait. Hein. Si les gens veulent chanter, ils n'ont qu'à le faire sous leur douche, en fait. Chanter, d'accord, mais peut-on jouer de la guitare sèche sous la douche? Par ailleurs, autre question qu'on se pose. Après avoir déconstruit les hommes, les féministes vont-elles déconstruire les pianos à queue? Jean-Jacques Goldman va-t-il être renommé Jean-Jacques Goldwoman? Et Michel Sardou va-t-il devoir être renommé Michel Sardine? Les transgenres, ça me fait chier avec leur connerie, il va falloir que je réécrive les chansons. Femme des années 2020, bordel, on n'y comprend plus rien. Elles prétendent être des bonnes femmes, elles sont montées comme des ânes. Femme des années 2020, cette époque est devenue zinzin. Aujourd'hui, si tu vas aux putes, c'est toi qui dois faire la turlue.